Ben déjà, je suis très content qu'on finisse, parce que c'est quand même long. Hein. Ça fait presque 2 mois qu'on travaille, nous et les coachs. Concernant la qualité du stage, moi j'ai trouvé très bien. J'ai découvert beaucoup de coachs féminins de bon niveau, intelligentes, qui ont envie de bosser. Et en plus, c'est des bonnes personnes. Donc on a fait, je pense, 3 modules de très bonne facture. Pour moi, c'est un des meilleurs CAFC qu'on ait fait depuis Churanda. J'en ai fait 7. Au niveau intellectuel, le niveau sur le terrain, le travail à la maison, je trouve que c'était un très très bon stage. Je suis très content. Oui. C'est une solution. C'est la nouvelle génération. Hein. Tout a une fin dans la vie. Donc il y a des anciens coachs. Il faut toujours renouveler. Et là, il y a des coachs qui sont jeunes, et puis il y a des joueuses qui ont passé aussi le CAFC. Et c'est la nouvelle génération qui a beaucoup de qualité. Et je pense que dans 3-4 ans, le football féminin va monter de niveau parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu la qualité de ce stage. On va continuer. Chaque année, j'ai décidé chaque année à ce que la Ferwafa fasse un CAFC only. Et j'espère un CAFB only, only woman. Le prochain, je me donne comme objectif d'ici un an et demi de faire un CAFB only woman. Ce serait bien parce qu'on a besoin de ça et je pense qu'on peut le faire parce que le niveau est là.